Coucou à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer une de mes dernières acquisitions, donc c'est Neutrogena, donc c'est le Hydro Boost nettoyant aquagel hydratant qui mousse bien, qui est vraiment très très agréable au toucher, qui répartit bien sur la peau toute la mousse et nettoie bien les excédents de maquillage ou tout simplement la peau. Celui-ci c'est une crème, gel crème, qui est aussi très agréable à l'odeur, qui a une très agréable odeur et qui est très frais, pas super liquide, qui est assez, assez crémeux quand même. Il est vraiment assez frais. Moi j'aime beaucoup cet effet de fraîcheur. Voilà. Donc le tout j'ai payé même pas 11 euros, alors qu'à la base c'est juste celui-ci qui coûte 12 et quelques. Parce que j'avais une promotion de 4 euros et j'avais également ma carte avec laquelle j'avais bénéficié des promotions, donc moins 15%. Et il y avait à la base moins 30% sur ces produits-là. Donc honnêtement, là j'étais gâtée sur ce coup et je me suis dit je vais essayer ces produits-là, pourquoi pas. Bon, après je ne vous dis pas ce qui est marqué derrière, parce que si j'avais le tout ce qui est marqué derrière en ingrédients, je ne les aurais pas achetés. Mais bon, comme j'étais tentée, j'ai acheté ça, je vais essayer et puis ensuite... Je vous ferai un résumé sur les ingrédients qui contient les produits, la nourriture qu'on consomme. On va voir si ça vaut la peine tout ça. Bon, ensuite j'avais reçu ce colis là. Je viens de recevoir mon petit colis de chez ma boutique au naturel. Donc c'est des compléments alimentaires Solgar. On va voir ça. Ça c'est huile de foie de morue. Elle est énorme le packaging, je ne savais pas que ce serait une bouteille pareille. Ce que j'aime bien dans ces compléments alimentaires et que je vous ai déjà présenté, c'est tout simplement leur emballage qui est en verre avec un bouchon qui est en métal et qu'il n'y a pas aussi donc ni sucre ni sel dedans. Et voilà. Et donc si c'est dit huile de foie de morue, bah, c'est marqué huile de foie de morue et rien d'autre. Voilà, il y a 462 mg d'huile de foie de morue. L'enveloppe de la Sauvegel, c'est gélatine glycérine végétale. Et sac Sauvegel fournit donc vitamine A, foie de morue et palmitate de rétinol. Vitamine D3, foie de morue et cholécalciférol. Voilà. Donc, elle se présente comment déjà à l'intérieur? On dirait que ce sont des gélules. Voilà, jaune. Ensuite, une autre boîte. Donc ça, c'est le Gentle Iron Fer Doux. Ici, il y a donc 90 gélules végétales, non constipant, compléments alimentaires, sans sucre et amidon. Et sans sel. Voilà. Et ce sont des petites capsules avec de la poudre dedans. Donc j'avais entendu aussi que ceux qui n'arrivent pas à avaler, donc ils peuvent les casser et les mettre dans un yaourt. Ensuite, le tout dernier, donc c'est celui-ci, vitamine B12, 500 mg, 50 gélules. Donc là, ce sont des toutes petites gélules, en fait, des petites capsules. Voilà, un ingrédient également, donc vitamine B12, 500 mg. Voilà, donc je suis plutôt contente. En fait, ça, c'est pour contre la fatigue. L'huile de foie de morue, c'est très bien. Vitamine A et D pour l'hiver, tout simplement pour se préparer à l'hiver et renforcer son immunité. Et celui-ci également, je crois que c'était contre la fatigue et renforcement immunitaire également. Voilà, je ne me rappelle plus trop, mais bon, quand j'avais commandé tous ces produits-là, c'était c'est qu'il y avait une raison. Voilà mon petit colis d'aujourd'hui de ces produits là. Qu'est-ce que j'ai payé? J'ai payé environ 42 euros je crois. Ouais, je crois que j'ai payé 42 euros avec la livraison. La livraison sachant qu'elle coûte 4,50 ou 4 euros, je sais plus.
Voilà, donc oui, je sais que c'est assez cher, mais ce sont des produits auxquels je fais confiance parce que j'en avais déjà pris et je continuerai de les prendre tant que ça sera nécessaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à très très bientôt. Ciao!